La conférence, elle est importante, à mon avis, dans le sens où elle nous permet de réunir, en fait, dans un même cadre, tous les éléments du monde musulman pour débattre sur des questions liées, en fait, au réveil islamique. Je pense que le travail qu'il faudrait faire, c'est d'installer, en fait, une unité durable dans le monde musulman et qui nous permettrait de pouvoir résoudre nos propres problèmes. Aujourd'hui, le monde musulman est miné par des querelles entre écoles, par des querelles entre courants islamiques, qui fait que les ennemis de l'islam sont entrés dans ces brèches-là pour exacerber en fait les conflits qui existent entre différents groupes. C'est un grand message, grand message important. On va reporter ça, transférer ça au nos peuples, de nos frères. On a besoin de solidarité entre les musulmans, entre tout le monde, pour avoir comment voir les solutions de nos problèmes. Cette conférence sur le réveil islamique est la bienvenue, surtout dans ces moments où la communauté des musulmans passe dans une période vraiment très délicate. C'est un grand remerciement pour la République islamique d'Iran d'avoir organisé cette rencontre, cette conférence, pour essayer de ramener tous les musulmans, tous les intellects musulmans, tous les ulémas sur le même rang pour lutter contre la divergence qui est en train de tuer le monde musulman, pour l'union de l'islam qui va faire vraiment la force de l'islam pour essayer de résister contre cette guerre intellectuelle et économique des grandes puissances mondiales. Toujours on attend pendant les médias ou la presse, Iran. Vraiment, c'était magnifique. Voilà, donc j'espère que ce pays soit un grand exemplaire pour tous les pays. Nous sommes là pour prendre part à cette conférence en remerciant la République islamique à travers le leader suprême de l'islam, c'est Ali Khamenei, et le gouvernement iranien et la population iranienne. Et nous pensons que l'Iran a une grande expérience dans ses côtés, que les musulmans du monde doivent quand même profiter et essayer de copier vraiment cette expérience pour la bonne marche des activités islamiques dans leur pays. Les objectifs de cette conférence, c'est de fortifier et de renforcer l'union des musulmans, parce que les pays occidentaux et l'impérialisme veulent œuvrer pour diviser les musulmans et le monde islamique, parce qu'à travers de la division, ils ont un slogan qui dit « diviser pour mieux régner ». Diviser pour mieux. Donc, ils veulent nous diviser pour casser notre grandeur. Moi, je suis fier
de la République islamique d'Iran et de son guide, le grand imam Khomeini, parce que c'est l'Iran qui fait la grandeur et l'honneur des musulmans dans notre monde contemporain. C'est l'Iran qui fait nous sécher les larmes, qui nous donne honneur devant les puissances contemporaines. Parce que ce sont les Iraniens maintenant, à travers de la révolution du grand guide Imam Khomeini, qui possèdent les nouvelles technologies comme les drones et tout ça. Donc c'est pourquoi les Occidentaux et les puissances veulent casser cette progression des nouvelles technologies. NasrTV.com